Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue. Elle monte très haut dans le ciel de Provence. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline. C'est Garlaban. C'est avec sa mère bien-aimée, son père, son petit frère Paul et sa petite sœur Germaine que Marcel Pagnol va vivre les années les plus marquantes de sa vie, au début des années 1900. Non loin de là, dans le village de La Treille, au pied des reliefs de la Provence. C'était une villa dans la colline, juste au bord d'un désert de garrigues, qui va d'Aubagne jusqu'à Aix. C'est ainsi que Marcel Pagnol définit la villa de ses vacances, source de son inspiration. Marcel Pagnol a passé toutes ses vacances de 1904 à 1910. Comment vous expliquez qu'il ait passé des si bons moments ici, dans cette bastide de vacances ? Chaque fois qu'il venait là, c'était pour lui le bonheur, quoi. Tout de suite, c'était la liberté, c'était les murs de la cour d'école qui tombaient, c'était la nature. Vous vous rendez compte, tout ce massif qui fait presque 8000 hectares. C'est grand pour des jambes d'enfant, mais c'est petit pour la notoriété que ça. Des massifs que Marcel Pagnol explore avec son ami paysan Lily. Grâce à lui, il va découvrir un monde qui lui est totalement inconnu. Qu'est-ce qu'il y faisait pendant ses vacances concrètement, Marcel? Vous savez, très souvent, il allait avec Lily
dans les collines, il partait pour la journée. Hein, et il posait des pièges et il lui apprenait la faune, la flore, la vie pastorale, la vie paysanne. Il lui apprenait tout ça. Marcel connaissait tout exactement comme Lily. Il lui avait tout transmis. L'air était calme et les puissantes odeurs de la colline comme une invisible fumée remplissaient le fond du ravin. Soudain, au détour d'un chemin, j'aperçus la Bastide de Neuve, l'asile des vacances. Sitôt que je la vis, je sentis naître en moi un amour qui allait durer toute une vie. Voyez de long sang à travers tout ça, ce bonheur qu'il avait de venir ici. Bonjour Laura, bienvenue au château de la Buzine, au Merci. Fameux château de Marcel Pagnol. Alors en 1941, il devient propriétaire de ce château. Pourquoi ? En 1941, Marcel Pagnol est un cinéaste de renom. Il tourne beaucoup dans la région et il veut créer un Hollywood provençal, donc ici. Et donc via un intermédiaire, il va acheter donc ce domaine pour en faire donc un lieu de tournage où il va pouvoir installer ses équipes. Malheureusement, on est donc en 1941 pendant la période de la Seconde Guerre mondiale et donc ce projet ne pourra malheureusement pas se faire puisque le château va être réquisitionné. Va être détruit en partie et c'est à l'état de ruine en fait qu'il sera ensuite rendu. Mais ce que le cinéaste ignore lorsqu'il achète ce domaine, c'est qu'il connaît déjà ce château. Car lorsqu'il partait en vacances en famille dans leur maison de campagne, il passait discrètement à pied devant cette propriété privée pour gagner du temps sur le trajet. Ce château va devenir le célèbre château de ma mère que Marcel racontera dans ses mémoires. Lorsqu'il va revenir sur le site, il va être à ce moment-là frappé par tous ces souvenirs qui vont lui revenir. Et là, donc, il va revoir justement sa maman et tous ces bons moments de ses souvenirs d'enfance. Son projet de cité du cinéma avorté, Marcel Pagnol continuera à réaliser des films emblématiques comme Manon des Sources et Ugolin. Où là encore, les collines sont ses meilleurs alliés. Son œuvre se compose de 35 films, 24 livres et 13 pièces de théâtre. Apogée de sa carrière, il entre à l'Académie française à l'âge de 51 ans. En 1974, Pagnol tire sa révérence, enterré bien évidemment sous le soleil de sa Provence. Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. C'est avec ces indémodables expressions que Marcel Pagnol reste l'un des plus grands écrivains et cinéastes du XXe siècle. C'est avec les films Marius, puis Fanny et César, rebaptisés la trilogie marseillaise, que Pagnol fait découvrir son vieux port, ses marchés aux poissons, l'accent des sudistes et ses parties de cartes si chères à son cœur. Tu me fends le cœur. Allons, César. Il n'y a pas d'allons, César. Tu me fends le cœur. Tu me prends pour un imbécile. Tu l'as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors il joue cœur parbleu. Tiens, tiens, les voilà tes cartes. Hypocrite, tricheur, je ne joue pas avec un grec.
tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait quatre tiers. Hein? Et alors? Eh bien, dans un verre, il n'y a que trois tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça dépend pas. Pourquoi ça dépend pas? Mais c'est de l'arithmétique, ça. Ouais. Mais ne cherche pas, l'arithmétique, ne cherche pas à détourner la conversation, n'est-ce pas?